Ok les amis, nous sommes partis pour une game en ranked sur mon Smurf qui est actuellement P1. Donc on va essayer de le passer diamant quoi. Donc on est plutôt bien. On a une bonne team et en face ils ont pas une team dégueu non plus. Donc on est parti, on essaye de cover un peu. Bot lane ça va. On a Leona donc c'est très bien. Ils ont Alistar, Vayne, c'est pas dégueu non plus. Des maniaques, je mets tout le temps les objets comme ça, je suis ultra maniaque. Hein. Regardez tous mes streams, en fait, je mets toujours les objets comme ça, parce que j'ai l'habitude. Comme ça, en fait, en un coup d'œil, je sais tout de suite ce que j'ai, ce que je dois faire. Salut, salut anarchistique. Ouais, t'as vu, l'intro, elle est stylée, hein. L'intro, j'ai pris quand même 12 heures à faire 12 secondes. Heureusement que c'est stylé. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien. Donc la musique n'est pas coupée pile au moment où il y a des. C'est pas beau. En fait, j'aurais dû mettre pause sur la musique. Ah, c'est full solo queue a priori. Hein. Il y a des pré-mades en face là? Je vais essayer de vous expliquer. Donc là, je suis en train de faire des tests. Hein. C'est un truc test. Je qu'elle a bien compris que ce qu'on voulait, c'est. Ok. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Regardez, avec le Z en fait, ça me permet de reset le Z, mais vraiment à l'infini. Voilà, pour le spammer, faire le golem vraiment super rapidement. Étant donné que j'ai le Z quasiment tout le temps d'activé, et ça veut dire quasiment tout le temps 40% d'attaque speed. Voyez-vous. On va essayer d'avoir l'XP, même si on n'a pas l'élastite. Oh, c'est magnifique! Putain, on a eu deux creeps. On a eu deux creeps, ça c'est vraiment bien. Ah mais d'ailleurs j'ai plus problème de stream avec LOL, ça c'est génial. Et oui, un petit rebond pour dire voilà, montrer notre présence. Par contre Leona, faut. Eh oui, on déconne zéro ici. On zone, hein, on zone direct. On laisse aucune chance. Donc la Vayne s'est pris deux rebonds, c'est bon. On peut dire adieu à la petite Vayne. Donc 12 à 5 CS. On montre. Et voilà. Simplement. La Leona, elle a bien aggro. C'est bien. Voilà la raison également pour laquelle Vayne, c'est un peu de la merde en ce moment. T'es contrôle, t'es mort. Voilà. Ah, mais Alistar, elle est toujours level 1. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Donc du coup en fait avec MF faire le ah mais lui il va mourir hein. Oula. J'aurais peut-être pas trop grid. J'ai économisé un peu mes mana étant donné que j'ai pas les runes de regen mana en fait. Et je suis en train de rater mes tous les CS de toute ma life. Terrible. Terrible mes amis. Mais ok. Ok. Ok, FLI. Ouais, par contre, ouais, faudrait que tu prennes quelques creeps pour mes régènes. Oui. Okay. Du coup, là, on a plus de mana. On va essayer de jouer un peu plus mollo. Qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux, Alistar? Alors. À calmer. On les a calmés un peu. On peut back. On va back, ça fait rien. On va back. T'es classé master avec ADC et tu mets MF. Exactement, rêve 1134. Exactement. Je suis master et je mets MF. Et j'essaie de vous montrer, de vous apprendre surtout comment jouer MF correctement, quoi. Parce que si c'est bien maîtrisé, vous allez voir un peu les dégâts. Bah, rien que pour le first blood, je pense que vous avez vu un peu les dégâts sur les petits rebonds. It's okay. Bon, elle a freeze un peu, donc c'est plutôt bien. Allez, prends-le. Ah, elle a raté. C'est un peu triste. Du coup, Vayne, elle a tout claqué. Alistar a également tout claqué. On est plutôt bien. Là, le jungler, faudrait qu'il gank en fait. Ah, prends-le. Nice. Nice, on va freeze là. Ah putain, j'ai fucked up. Ah, mais Leona, elle est restée en fait. Ah c'est bon, elle peut faire sa stun, donc là c'est très bien. Un support qui recolle à plus de 800 gold. Et plus bien.
Ah, c'est là, c'est une bonne, bonne playlist. J'aime bien. J'ai pas mis de sound request pour le moment. Juste question. Nightcore, que les. Oui. La plupart du temps, c'est du Nightcore. Pourquoi du Nightcore? Parce que déjà, c'est pas mal. Et c'est pour éviter de se faire mute en fait, par Twitch. C'est pas des musiques officielles, on va dire. Twitch ne censure pas ça. Sinon, c'est censuré assez rapidement. Ok, on a Poney pas très loin qui dit qu'il va venir. C'est un menteur. Question, c'est ça. Oh, je rate ma CS, hein, c'est lamentable. Ceci est lamentable, mes amis. Allez, on va y aller. Killer jungler, c'est Elise. Très bien, on va mettre par là. Toujours bien. Quand ça, on a la lane de push, ils peuvent pas faire grand chose. Un Darius, concrètement, hors limite, c'est fort. En late, c'est assez nul. Hein. Surtout contre MF, en fait. Bon, après, faut pas que je m'expose au corps à corps, bien évidemment, mais. Paraît obvious. Allez, allez, nice, un petit kill. On est bien. L'Alistar qui s'est beaucoup trop donné pour rien en fait. On laisse pas approcher. On prépare le creep si elle s'approche pour la site, on la défonce. Voilà, oula! Là on est bien. Là je vais laisser juste crever les creeps. Je push pas parce que en fait si elle s'approche pour essayer de la site, je lui mets un petit rebond des familles. Voilà, je la zone, non? Je la zone. Ok. Donc on met très low les ranges pour pouvoir faire les rebonds là-dessus justement. Comme là si elle s'approche en fait je lui mets un rebond direct. Pour qu'elle comprenne c'est qui le patron. Voilà, vous avez vu ou pas un peu? T'as vu les dégâts? T'as vu les dégâts ou pas? La veine elle a pris 2 tiers des dégâts. Hein. Voilà, on peut rebondir sur Alistar également. On n'est pas obligé de tuer la cible, hein. Hélice bleue, ok, on va faire gaffe. Alors, concrètement, là il y a un bon rebond qui passe. Okay. On prévient, Hélice est mid. Vous voyez que ça choque souvent les gens, les dégâts d'MF, hein. On s'y attend pas, mais. Et là encore, dites-vous que là c'est hybride, hein. C'est même pas full pen là, j'ai même pas. J'ai à peine 18, hein. Imaginez avec. J'ai 18, j'ai 23 de base normalement. Je vais vous dire, on va sortir BF, histoire d'enfoncer un peu la bot lane. Là concrètement j'ai pas de mana ouais. Tout est indiqué. Donc là je suis en train de tester des runes et maîtrises. Hein. Sinon ce ne sont c'est du full péné. C'est du full péné. Je suis censé faire beaucoup plus mal que ça. Hein, parce que là c'est un peu la crise sur mon smurf. J'ai pas les runes adéquates on va dire. Vayne, tu vas prendre cher, hein, si tu... Ah mec. Là, on va freeze. On peut-être back. Ouais, on va peut-être push en fait. Je pense que Vayne a back. On va essayer d'économiser parce que j'ai pas. Mine de rien, en fait, les régènes de. Une de régène mana, c'est vraiment important. On y va. Je vais essayer de ne pas trop spammer les sorts. Ok, je le dis, mais je le fais quand même. Bah je sais pas c'est quoi ces runes et maîtrises mais... Avec ces runes ça me permet de one shot à peu près tout ce qui se passe en mid et late game. Allez, nice. En termes de farm on est bien, on met 31 CS à la Vayne. Honnêtement la Vayne elle a pas d'argument, elle a aucun argument. On met des petits autos. Et on va s'en aller, on va s'en aller. On va s'en aller. Non, ça, y avait pas besoin. Bi 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 bi. Mais pourquoi tu.
pourquoi pas. Voilà. Il n'y avait pas besoin de TP, du coup en fait il va avoir un peu de difficulté. En fait il a trop sacrifié sa top lane pour nous. Alors qu'on est super bien dans la game quoi. C'est pas nécessaire. Bon après il a récupéré plusieurs assists. Et un kill même. Oula. Ouais, on va peut-être s'en aller. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'aggro de la tour. Du coup, on est un peu déçu. Hein. On est un peu déçu, mes chers amis. Mais c'est ok. Ah, je pense que s'il y a un bon rebond qui passe, je peux faire beaucoup de dégâts. Du coup, on va laisser avancer. Il y a une pink ici, donc c'est très très bien. La Leona pour le moment. Voilà. Elle fait son taf. J'ai pas trop de reproches à lui faire. Ah, par contre, au mid, c'est la jungle. Holy. Ma team s'en sort. C'est plutôt bien. 10-4, dont 3 kills sur moi. C'est vraiment bien en fait. Sinon, change de wife. Oh, on se calme. Un peu de respect. Ça marchait bien avec Ringo, avec de la CD. Salut! Merci pour le tuto, finalement t'es le meilleur MF World. Merci Yonaver, ça fait plaisir que tu aies compris que c'était moi le meilleur MF. Meilleur joueur d'MF. Voilà. Ah mais il y a du monde là, dis donc. Tankeno, ouais c'est un... Ouais c'est inacceptable hein, Tankeno. Tu n'es plus là, tu n'es plus là. Toi qui es un fidèle du stream. Non mais ça fait plaisir de vous voir plutôt nombreux quand même ce soir. Une waifu par saison. Bah c'est correct. Au final, une waifu par saison. Du coup, pronostic sur la prochaine waifu. C'est lui qui a bon, je lui offre un skin. Ouais. J'ai beaucoup tanké les tours. J'essaie de mettre la pression à l'Istar en fait pour éviter qu'ils prennent notre pink. Donc ça a plutôt bien marché. On est bien. On est bien. On est à quoi? On a 110 CS en 12 minutes. Ce qui est super bien par contre. Concrètement, avant que je joue à MF, je ne lassitais pas aussi bien. Vraiment, réellement. J'étais diamant, mais high jams, mais mon acide était plus lamentable qu'autre chose. En fait, le fait de jouer full peiné, en fait, ça m'a forcé à vraiment attendre le dernier moment pour la site. La Vayne va prendre cher. Hein. Ah, il y a le siège qui est passé. Je l'aurais défoncé sinon. Alors, regardez bien le rebond. Hein. J'essaie de préparer un petit rebond. Voilà, la Vayne va venir pour la site. Regardez. Vous avez vu ou pas? Deux tiers life. Comme ça. Ouais, je force même pas. Hein. Moi, j'ai préparé le siège. J'attends. Plaisir. Oh. Bon, c'est pour un kill et j'ai un bleu, ça va. Bon, j'aurais aimé le garder mon ult. Mais bon, comme il se passe pas grand chose là. Voilà, là concrètement pour dominer la bot lane, t'es fidèle toi, moi je suis la waifu. Ah. Bon après Darius, vraiment je m'inquiète pas, hein. Ça doit être le top laner le plus débile. C'est juste un lane bully en fait, après en teamfight il sert un peu à rien. Ah il m'a pas laissé solo gold, c'est dommage. On va back. Ah mais ils ont déjà pris une tour en fait, pas la peine du tout. Ah. YOLO. Wait, what the fuck. Oh, un petit rebond. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer Vayne hein, s'il y a une cible. Les gens ils ont tendance à se mettre derrière la cible que tu veux tuer. Du coup tu mets un petit rebond. Le rebond il fait quand même mal. Ah je vais faire un... Bah voilà. C'est pas très dur. Là concrètement vous avez l'impression que les mecs en face c'est du beurre. Hein, mais c'est ça. C'est un peu du beurre en face. Jidan execute. Voilà.
Ça a l'air d'être simple, hein. Pourtant les mecs ils sont diamants en face, hein. Ils sont vraiment diamants. Vous pouvez regarder, c'est au PGG, hein. C'est des diamants normalement. Mais qu'est-ce que ça dit? Jace? Non, je suis pas un joueur de Jace. Mais c'est AD. Je suis AD depuis saison 1. Je ne trahirai pas cette lane. Et encore, j'ai un peu trahi, ma veine, hein. Je suis un peu triste. Pour être honnête. Quand je vois des joueurs de veine comme ça, là, ça m'attriste. Die before. Underlord. Maître Shaco m'a influencé. Mais vous dites n'importe quoi. Voilà. Ouh là! Est-ce que j'ai un V3? Un V3 ou pas, les gars? Non, c'est chaud. Ouais. Ok. Voilà. Voilà, on tue tout le monde. Oh, mais t'es sérieux, toi? Mourir parfois, monsieur. Ah, mais là, vous vous rendez pas compte des dégâts du A, en fait. Moi non plus, je m'en rendais pas compte, puis j'ai compris en voyant la vie des autres que ils prenaient ultra cher. Alors attendez, je vais vous montrer combien de dégâts ça fait. Regardez le... Ah bah j'ai pas de mana. La déception. Parce qu'en fait, bah là, rien qu'avec... J'ai même pas deux items, hein. J'ai un item et trois quarts. Le deuxième rebond fait du 200, on va dire, 200, 300, 375. Si je tue quelqu'un... Voilà, là, je fais quasiment du 750, hein. Dites-vous que 750, c'est la moitié mid-life sur la plupart des carrières. On va le tuer. Non! Ah, shit alors. Ce qui est bien avec Elise, c'est trop marrant. C'est un counterplay, mais genre, c'est pas volontaire. En fait, tu peux faire rebondir ton A sur les petites araignées. Et comme ça tue forcément, bah tu mets max damage. C'est trop marrant. Ça, c'est trop marrant. Du coup, on finit Dractar. Comme on est YOLO, on repart sur un item peiné. Ah, faudrait go mid, les amis. On est à 48 de peiné. On devrait être à 5, plus de 50, hein, mais bon. Je sais qu'il est sur un Smurf. Je vais vérifier, en fait, c'est du diamant. Bah, normalement, en fait, c'est du diamant. Hein. En fait, c'est du plat 1-2. Ah. Fucked up, mon MMR. Eh oui, mais voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Voilà. J'ai fait un rebond, j'ai fait une auto-attaque, il est mort le Veigar. Ah, les dégâts. Ah, je commence à faire du 800, plus de 800 sur le rebond. Hein. Parce que sur le rebond, en fait, il y a le passif qui s'applique. Le passif, c'est du 200. Hein. Mais go, les gars, qu'est-ce que vous attendez? On va essayer de mettre un petit rebond sur Elise. Alors, regardez Elise qui se prend. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais mourir. F, Darius. Exhaust. Après, je me suis fait exhaust et je me suis fait flash in hook par Darius. Ce n'était pas la joie, pour autant vous dire que c'était pas du tout la joie. Poney, il meurt même pas. Hein. Là, oula. Il y a trop de commits là. Regardez-moi ça, c'est full singe! Full singe! Tu crois pas? Tellement full singe que je sais pas quoi dire. Oh les gars. T'as vu, ça prend très très cher, on se rend pas compte. Hein. Ce serait bien que tu me laisses. Oh si. Hop, mid. Non. J'ai dit F Darius ou pas? F Darius. Du coup, on va faire Malmo comme ça. Ah ouais. What? Du coup, là, en fait, Darius m'a flashé une fois. Là, c'est bon, hein, c'est fini. Il pourra plus me toucher là, normalement. À moins que je sois un singe. C'est possible après. Si je go full singe. Habilité qui me tue. Bon, là, je vais me cacher là parce qu'il y a Elise dans le coin. Go, 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 go. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tankes le...
Ensuite, on va go mid. Avec trois montagnes, hein, on va démolir les tours. Attends, ouais. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que vous racontez, les amis? Ah, y a un pseudo, mais vert fluo, mais sérieusement? Comment je suis censé le voir? Attendez. Il s'appelle Nacro97, très bien. Change de couleur, hein, mec. Pas pour toi, cette couleur. Ok, si vous voulez. Go, 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 go! C'est beau, hein? C'est beau ou pas? Franchement, c'est beau ou pas? Mais t'es sérieuse? Faut mourir. Non, il nous a juke! Là, je rêve! Elle nous a joué. C'est pas dur, hein, vous, comme ce que j'ai dit et je le répète, vous laissez la team engagée, vous vous mettez derrière R et voilà. Ok, mais tu veux nage, très bien, go nage. Pas obligé, hein. Y'a pas poney. Parler d'une bonne co, oui, ça me paraît tellement dégueu. Non, c'est vrai que ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où en fait le déploiement de free est suffisant et du coup c'est vraiment broken. Pour pas cher surtout. Heureusement que. Voilà, bah on est full item peiné. Je vais prendre le raid, ensuite en groupe mid. Voilà, en fait le Darius il n'a concrètement plus de. Là je me mets à distance pour éviter le stun de Veigar Cocon et voilà, après c'est win. Sérieux toi? Bon, Serge, j'ai déjà un raid. Ah, un peu déçu. Go, on va pas perdre du temps, parce que là on est en train de perdre du temps. En fait, on est en train de prolonger la game, ça j'aime pas. Là, je fais déjà beaucoup trop de dégâts. Les mecs, ils ont. La veine, elle a un item et demi, j'ai trois items complets. Mais qu'ils fassent quoi avec ça? Ah! Where is my team? Attendez, je vais mettre un petit rebond. Tiens, Vegar, il est mort. Ça a été heal. Il y a eu un heal, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a eu un heal. Et go, hein. Et pourquoi vous avez peur, les gars? On a le Nash, on a tout, hein. On a tout. À chaque fois, je vais mettre un rebond, en fait, les mecs, ils assument plus. Ah, voilà, Elise, elle n'assume plus. Vous avez vu ou pas? J'ai mis 80% de la vie. Alista, il veut me mettre le combo. Ok. Mais tu meurs! Ah, sérieusement? Sérieusement, Alistar, tu meurs pas. Alistar, il a compris que c'est moi le problème! On fout, hein. Oh là là, t'es mauvaise quand même, hein. Peut-être. Oh, s'en fout. Hein. Moi, là, je joue pas le KDA. Hein. Moi, je joue plus objectif. J'aurais pu flash in et tout pour prendre des kills, mais ça m'intéresse pas. Là, je veux juste finir les games le plus rapidement possible. Hein, là, ça fait 24 minutes, 3 minutes de trop, quoi. Il a ulti pour ça, le mec. Ok. Très bien. Youmou plus ça. On a quand même. On a, malgré le fait qu'on est full item AD, quand j'active Youmou plus le Z, j'ai quand même plus 140% de. Ah, il a quand même beaucoup de. Armor là. Ah, Elise, tu meurs ou pas? Pas encore? Choum, choum, choum. C'est moi. Voilà, maintenant on fait la Switchfire pour faire du bon dégât. Ah oui, vous avez aussi des codes merde. Hein. Moi malheureusement j'ai une code merde aussi. Hein. Là je stream mais en fait. Wow, qu'est-ce qu'il fait Kled? Okay. J'ai une code merde aussi mais en fait je stream avec la 4G du coup. Je suis limité dans le temps par la data et littéralement par le temps qui fait dehors. S'il fait un temps de merde, je ne peux pas streamer. Simplement, on a bien rentabilisé le baron. Hein. Là j'attends juste mes mates. Vous avez vu ou pas les dégâts hein? Les dégâts les gars. J'ai beau rotate, faudra toujours continuer à CS. Hein.
Il n'y a pas de raison. Okay. Là, concrètement, on a gagné. Hein. Ah, on va two shot. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Bah, en fait, il a fait le seul move possible, Darius, mais il n'y a personne qui l'a suivi, du coup. Concrètement, le but, c'est. En fait, il aurait fallu que Darius flash in. Me hook et Alistar me knock up et tout, mais il n'y a rien eu de tout ça parce qu'on est en solo queue. Hein, on peut pas me counter en solo queue. Voilà, c'était une petite game Miss Fortune, jouée comme il faut avec les rebonds, les positionnements. J'espère que vous avez apprécié, les amis. Donc, côté YouTube, voilà, elle est finie la vidéo. Elle fut expéditive, certes, mais vous avez à peu près. Les points clés qu'il faut avoir. On va regarder un peu les damages. Oui, voilà. En termes de dégâts, on est plutôt bien. Nice damage. Voilà, on est 41 000 de dégâts alors que ma team n'a même pas dépassé les 20 000. Donc sur YouTube, je vous dis à la prochaine. Voilà, bye bye.